Je crois que je suis arrivé à la bonne adresse. Alors, j'espère que j'ai trouvé le coffre-fort. Normalement, ça doit être facile d'ouvrir. Voilà. Et normalement, ça marche. Allez, rentrons discrètement. Bon, ça va, il n'y a personne. Alors, où il peut bien être ce coffre? Alors, peut-être ici? Non? Qu'est-ce qui se passe? Vite, faut que je me cache! Là, là. Ici, j'ai les portes. Allez! Ça m'a l'air bien. Allez, on va se cacher. Comme ça. Ah, l'alarme, elle marche encore? Ah, c'est super lourd. Ah, Lily Rose. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tout ce que t'es en train de faire là. Mais pourquoi? Attends, il faut que je trouve un endroit pour cacher ça. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi. T'es dans l'armoire, non? Il n'y a pas de place là. Attends, ici. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? On va le laisser là. Avec ça là. T'entends pas là? Non. Ah si, il y a l'alarme de la maison qui s'est déclenchée. Attends. Écoute. T'entends pas? Ah si, j'entends. Ben oui, elle s'est déclenchée. Ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Mais non, c'est pas possible, il doit avoir un bug là. Attends, d'ailleurs, reste là. Mais va voir. On va fermer la porte à clé. C'est bon. Voir. Ben non, j'ai peur. Mais de quoi t'as peur? N'importe quoi. Imagine si c'est un voleur qui est rentré, on fait comment? On est tout seul, faut que t'ailles voir et faut que Non, 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 moi je rentre. Je sors pas de cette pièce. Attends, on va même fermer. Où sont les télécommandes? Là. On va fermer les volets. On va rester barricadé dans cette maison. On va rester barricadé dans cette pièce. Mais comment on va faire là? Va allumer la lumière. Ok. Mais Esteban, peut-être que tu rêves. En fait, qu'il y a personne et que t'as peur pour rien là. Je ferme tout. Je veux pas qu'on nous observe. Bon allez, il faut que je le trouve quand même. Je vais sortir. Apparemment, il y a plus personne. Allez, peut-être à l'étage. Allons-y. Je suis sûr que quelqu'un est rentré dans la maison. Mais il y a quoi dans le coffre-fort? Ça, tu dois pas le savoir, Lily Rose. Ah si, pourquoi tu l'as ramené? Mais parce que c'est le seul truc précieux de la maison. Imagine s'il y a un voleur qui rentre et il repart avec le coffre-fort, on fait comment après? Bah je sais pas, il y a quoi dans le coffre-fort? Ah, bon, bah c'est un coffre-fort, du coup dedans, il y a de l'argent, il y a des bijoux, voilà, il y a plein de trucs. Bah ok, mais tu sais que là, à tout moment, il peut rentrer dans la maison. Oui, allô, la police? Oui, ok, comment ça? Vous savez déjà ce qui se passe? Ok, vous arrivez d'ici combien de temps? 5 minutes, mais c'est trop long! Allez, faut que je me dépêche avant que la police arrive. Faut que je sois sûr que personne rentre. Mais t'inquiète, y'a personne qui va rentrer. De toute façon, y a plein de clés de ma chambre dans la maison. La police m'a dit qu'apparemment, il veut rentrer chez nous exprès pour récupérer ce coffre-fort. Mais comment il sait qu'il y a un coffre-fort? Bah, on a dû le montrer dans une vidéo. Du coup, il a vu un coffre-fort chez nous et il vient exprès chez nous pour le récupérer. En plus, il est pas très bien caché ce coffre-fort. Et en plus, là, on parle fort donc il risque de nous entendre. Alors, je vais d'abord essayer ici. C'est fermé. Attends, reste là, reste là. Ok. Reste là. T'entends pas? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui gratte à la porte là. Là peut-être. Allez, allons-y. Va dans la cachette secrète. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui. Chut. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Non, mais il n'y a rien ici. Il n'y a que des ordinateurs. Bon, il faut que je trouve ce coffre à tout prix. Peut-être là. Il y a quelqu'un derrière la porte. Sérieux? Je pense qu'il est en train d'ouvrir la porte. Mais faut qu'on arrête de parler là! Mais arrête! Mais il faut sauver le coffre-fort surtout! Bah viens, ramène-le! Attends! Hop! Attends! Vite, ramène-le, viens! Comment on peut faire? Bah on se cache ici et peut-être qu'il va pas nous trouver, voilà! Ouais, mais si, mais il va nous trouver, il va fouiller toute la maison, c'est un voleur! En plus, ça doit être un voleur expérimenté! Ouais! Attends! Comment il a fait pour rentrer d'ailleurs? Attends, j'ai une idée! Ah, petite porte ici! Ah! Sûrement! Rien du tout. Il n'y a personne. Il a dû partir. Non mais je peux pas rester comme ça longtemps là. En plus il a sauvé que ses affaires, même pas les miennes. Il a sauvé son coffre-fort là qui sert à rien. Sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il m'a pas l'air d'être en bas. Ah, j'ai peut-être une idée de où il est passé. C'est vrai, j'avais installé un piège là dans la petite pièce.
Ça tombe, il a voulu fouiller dans la petite pièce et il est resté bloqué dans le piège. Ah non, non, ils m'ont bloqué. Je suis sûr que c'était un piège. Ils étaient sûrs que j'allais arriver. Oh non! Mais comment ça se fait? Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il sonne maintenant? C'est pas possible! Je vais essayer de le déverrouiller, même si je sais pas du tout le code. Non. Mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être? C'est pas possible, je trouverai jamais le code. Et Stéphane, il a encore fait un truc compliqué. Comment je vais faire? Ils ont certainement appelé la police. Oh là 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 là, il faut que je trouve un moyen, peut-être avec ça. Alors, est-ce que ça va marcher? Il est pas ici. Ah oh, bon, il a pas pris les ordinateurs, c'est bien. En même temps, je suis sûr qu'il cherche le coffre-fort et rien d'autre. Alors... Ah! Comme par hasard, la poignée bouge. Ah non, ça marche pas. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis terrifié, mais... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Il y a quelqu'un dans cette pièce? Il y a quelqu'un? La police arrive, monsieur. Vous êtes fait comme un rat. Vous êtes fait comme un petit rat. Non. Allez, venez ici. Venez ici. Ah venez. Non, vous m'avez venez. Eu. Venez ici. Laissez-moi tranquille. Allez, venez. Venez. Vous êtes... Donnez-moi votre outil. Devant non. Tous les abonnés là qui vous regardent, parce qu'il y a une caméra qui vous suit, je vais vous démasquer. Non. En bas, je vais vous démasquer. Non. Allez, dehors. Je ne saurai jamais qui je suis. Et vous n'aurez jamais ce coffre-fort. Lâchez-moi. Si, je l'aurai un jour. Esteban, ton coffre, il sonne. Il va se détruire ou quoi? Pourquoi ça fait ça? Viens m'aider. Allez, c'est parti. Non. Hein non. Grand-père? Eh bien oui, c'est moi. Mais c'était toi depuis le début. Oui, c'est moi depuis le début. Mais pourquoi tu voulais récupérer notre coffre-fort? Ben parce que je voulais avoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais dans ce coffre-fort, ça te regarde pas. Mais si. C'est pas possible. Non mais, ça veut dire que t'as cassé notre porte. T'as voulu faire le voleur simplement pour prendre notre coffre-fort alors que t'es de notre propre famille. Esteban! Oui, mais moi, je voulais à tout prix avoir l'anneau qui était à l'intérieur. Il n'y a pas d'anneau dans le coffre-fort. Bon, bah comment ça, ça suffit. Allez, mais si. Bouge avant qu'Iros te voie et qu'elle découvre que son grand-père est un voleur. Je suis pas un voleur. Allez, vite. Juste récupérer vite. Non, mais c'est pas vrai. Il y avait vraiment un voleur. Faut que je le cache, là. Oh là là. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais... Ça s'entend encore. Bon, maintenant, il faut que je me cache. Hop. Oh là là, j'espère que Lily Rose va jamais découvrir ça. Si elle sait que son grand-père est un voleur, ça risque de causer des gros problèmes dans la famille. Lily Rose? Lily Rose? Quoi? C'est bon, le voleur est parti. Il est parti. Viens, tu peux venir. Trop bien. Il est parti. Il a rien pris, j'espère. Non, non, t'inquiète pas. Ah, ça va. La police est arrivée et s'est chargée de s'en occuper. Et d'ailleurs, c'était qui le voleur? Non, mais je sais pas, on l'a pas démasqué finalement. Ah, ok, dommage. Ouais, dommage. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme like sur la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche si vous vous abonnez, et surtout, cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, bye. Bye, ciao.